aucune illusion entre nous. Jamais je n'ai eu d'amis aussi proches. Ouais, 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 c'est vous, le fameux Deligny. Ben, je vous emmerde. J'ai entendu parler de vous, vous savez. Et ben, je vous emmerde et je vous casserai la gueule. Ce que nous voulons pour ces gosses, c'est leur apprendre à vivre, pas à mourir. Les aider, pas les aimer. Vous, dont le déséquilibre a laissé des traces gigantesques, dites-leur. J'ai mené une longue existence aux prises avec les asociaux. Vaste asile où l'être n'attendait rien que le lendemain. Dans ma main déserte, une porte a claqué. C'est peut-être une histoire de dehors et de dedans. Cette espèce d'angoisse d'être beaucoup trop large pour passer la porte disparaissait. Et ça passait tout seul. C'est sûr que je suis rentré. Mais quelque chose est resté dehors. Après ça, c'est la guerre. Il n'y a pas tellement de portes dans la guerre. C'est dehors que ça se passe. Ces fous invétérés qui d'un coup ne l'étaient plus. C'est de l'histoire que je parle, de ses failles, de ses surprises. Le temps est ce qu'il est. Les temps sont ce qu'ils sont. Et l'humain, alors ? Je regarde par la fenêtre les oiseaux qui cherchent le cri qu'ils n'ont pas lancé.